Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, les amis, numéro 98, dont l'épisode final, on va dire, entre guillemets, non, c'est pas vraiment le vrai épisode final, mais en tout cas, c'est l'épisode, pour le moment, final du scénario, à sachant que, du coup, de notre aventure sur Hyrule Warriors Definitive Edition, souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait commencé les gardiens du triangle sacré, dans lequel on était dans le temple de la vie et de la terre. On est avec, du coup, il y avait les trois collectibles. Donc, on avait déjà pris la Sculptulador. Il nous manquait juste, mais tout juste, à avoir le réceptacle de cœur et le fragment de cœur que nous avons déjà trouvé. Le fragment de cœur, il est dans le fort que vous voyez tout à gauche, qu'on a déjà pris. Il manque juste à amener Link dans ce fameux fort. Et le roi d'Hyrule, il faut l'amener au sud. À côté de la base alliée, à gauche de la base alliée, il y a un petit creux. Et c'est ici qu'il faudra l'amener. Donc du coup, on voit que c'est elle qu'on a. On va juste prendre du coup, pas Lana, ça me fait un peu chier. Mais bon, on n'aura pas le choix. Parce que du coup, on va interchanger les rôles. On va envoyer Link, par exemple, Link, et ce côté, donc ici. Et on va envoyer le roi d'Hyrule, ici. Un petit peu plus haut, voilà. Et du coup, nous, on part en direction du Ganon spectral. Parce que, évidemment, il a apparu. Et si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il va aller sur la base alliée et va tout exploser. Donc, il faut vite faire en sorte de ne pas qu'il... Voilà. Faut faire en sorte de pour ne pas qu'il s'y rende. Hop. Et slash. Boum. Bon, ça c'est fait. Allez, on se concentre. Je sais plus comment le battre, par contre, le Ganon spectral depuis Hyrule Warriors Legend. Donc, on verra. Je m'en souviens plus trop comment le battre. Parce que c'est un ennemi qui vient pas souvent, de base. Hop. Et slash. Hop. Ok. Là-bas, la base alliée commence à prendre très cher. Alors Sia, je sais même pas où elle est. J'ai l'impression qu'elle a disparu, Sia. Elle a l'air d'avoir disparu. Non, Sia, elle est où? Elle est là. Ah d'accord, elle a affronté toute seule. D'accord. Si vous voulez. Hein. Regroupez-vous. Ouais. Alors du coup, Link va permettre de récupérer le fragment de cœur. Comme ça, après, on le remet là où il y a le Ganon spectral. Donc le fragment de cœur, il est là. Et on a même complété un réceptacle de cœur. On a attendu le petit musique, je crois. Vous avez obtenu un fragment de cœur, ensemble les incrètes, pour augmenter votre énergie vitale d'un cœur. Ah bah ben non. Juste, finalement, on n'a pas eu le truc. Et on a ici, il y a le coffre. Où il y a le réceptacle de cœur. Avec le roi Daphné. Et du coup... Et il est là. Bien. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale est du coup augmentée d'un cœur. Allez, on prend le contrôle de Lana. Hop. On va vite donner une ordre à tout le monde. Du coup, tout le monde doit se regrouper pour terrasser le fantôme de Ganon. Hop, Tetra, Link aussi. Et du coup, normalement, tout le monde, sauf Lana, du coup, qu'on va pas tarder à y aller. On élimine juste les monstres un petit peu, un petit peu plus puissants. Par contre, la base alliée, elle commence à vraiment faire la gueule. Donc, il faut impérativement qu'on y aille. Hop. Voilà. Poussez-vous de là. Boum. Ça s'est fait, on a battu une âme. Voilà. Boum. Boum. Allez, go. Maintenant, c'est parti pour battre le fantôme de Ganon. Normalement, du coup, Link arrive. Et on va, du coup, pouvoir l'avoir. Alors, je sais pas comment l'avoir, honnêtement. Risque de chute de quoi? Risque de chute de force des sages de Nord-Ouest. Est. Ah, d'accord. C'est en haut à gauche. Ouais, bon, ça va. Alors, par contre, du coup, on fait comment pour l'avoir? D'accord. Le chat est en train de faire des âneries, je crois. Ah non, tiens. C'est rien. Alors, du coup. Alors, est-ce que... Ah, d'accord. J'ai compris ce qu'il faut faire. Aïe.
Oh putain, on a eu chaud. Hop. Ah, on a pas. Ah, parce que je crois que. Oui, on peut le savoir, c'est qui le vrai. Ah là 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 là. La merde que c'est. Ok. Ah, c'est bon. On a trouvé un moyen comment y arriver. Il faut les tous regrouper. Et on a pu lancer la flèche de lumière. Pour enfin enfin, en tout cas, l'affaiblir bien correctement. Voilà, il ne régène plus son énergie vitale. Et on va du coup pouvoir le défoncer. Ou presque. Allez, boum! Ah, yep. Il est là. Aïe, 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 aïe. Donc là, phase d'invincibilité. C'est parfait. Éliminer le fantôme de Ganon. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Hop, 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 hop. Et c'est parti. On l'a bientôt éliminé. Il est à mid-life, tout simplement. Tac, 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 tac. Donc là, il faut l'avoir, il faut l'avoir. Et c'est parti. Boum. Allez. Là, il faut vraiment l'achever. Allez. Je crois qu'on l'aura pas maintenant, mais ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, on y est proche, on y est très proche. Allez, attention. Et on l'a eu, c'est bon. C'est bon, c'est nickel. Fini le scénario. Yes. Yes, on a fini le jeu. Enfin, en tout cas, l'histoire principale. Ah, mais non, oui, c'est bon. On a fini l'histoire principale, les amis. Oui. Du coup, écoutez, le scénario est terminé. Ah, le scénario est terminé après 88 épisodes. Putain. À mode facile. Évidemment, il faudra tout refaire en mode normal, à mode difficile et à mode héroïque. Mais bon, c'est fini. C'est fini, c'est magnifique. Bon, ben, ça c'est fait au moins. Et nous y voici. Nous sommes de retour. Avec Sia en plus. Comme quoi, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Et du coup, on réunit les Triforce. Pour enfin clore le scénario. Mon dieu. Et voilà, tout est réparé. Tac, 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 tac. Je suis trop content, honnêtement. Je suis trop content, les amis. Je suis trop content. 88 épisodes, mon dieu. Et du coup. Hop, je vais un petit peu augmenter mon son parce que j'aimerais bien atteindre un petit peu le petit soundtrack qui vient derrière. Et du coup. Et voilà. Et voilà, les amis, les crédits. Oh là 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 là, putain, comment dire, ce jeu était génial. Je suis super super content de vous avoir filmé ça. Alors évidemment, ce n'est pas la fin parce qu'il nous manque maintenant le mode aventure et pas mal encore parce qu'il faudra refaire le mode scénario en mode normal, en mode difficile et héroïque pour valider tout simplement le full 100% tout simplement vu que il y a toujours une petite case validée. En tout cas, ce jeu, pour moi, il n'a aucun défaut. Allez, si. Il y en a un seul. C'est surtout le fait de le recadrage.
malheureusement, le recadrage des items qui sont, j'ai l'impression, dans les cadres en bas, pas très centré avec le texte. Ça requiert juste un plugin. Bon, c'est pas très grave, on va dire. Si on vraiment on met ça de l'autre côté, on obtient déjà un jeu super. Je suis trop content de vous avoir filmé ça, de vous avoir enregistré. Honnêtement, enregistrer ça, c'est juste... c'est juste ouf, c'est juste oufissime. Alors, au cas où, je remercie du coup les gens qui m'auraient suivi pendant les 88 vidéos et qui s'arrêtent là. Et oui, donc si vous arrêtez là, ben écoutez, en tout cas, j'espère que ces 88 vidéos vous aura plu. Vous aurez eu du coup un petit plan sur les collectibles dans le jeu, tout simplement, les différents collectibles. Aussi, les gens qui continuent par contre à regarder la série et à continuer à la regarder dans le futur, donc ça veut dire que pour l'épisode 89, 90, etc., etc., on se retrouvera du coup pour l'épisode, enfin pour le fameux mode adventure qu'on commencera. Et puis voilà, en tout cas, j'ai été très content de vous avoir fourni du gameplay pour ce jeu. Et honnêtement, je suis quelqu'un qui est, je pense, vous avez vu, très fan. Très 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 fan, et voilà, après il fallait le faire, il fallait que je vous le fasse, et c'est sans tarder, et du coup voilà, on est bientôt à la truc de fin, et regardez, feng, mon dieu, ah, ça me fait bizarre du coup de se retrouver sur cet écran de fin, enfin d'être sur l'écran de fin, et du coup, aha, encore. Wisdom, courage. Together, Lana and Sia would protect the balance of the Triforce. In peace and harmony. Bien. Oh là là, ce truc est génial. Donc du coup, est-ce que c'est bien ça? Alors, les fameux sous total, donc du coup, l'état, en tout cas, l'état de la bataille, tout simplement. Donc, du coup, on a obtenu la voile rapide, c'était tout simplement l'arme scellée. Je m'en doutais que c'était avec lui, parce que c'était logique. On en a obtenu une précédemment avec Tetra, et du coup, on en obtient une, logiquement, avec le roi d'Hyrule. Donc, du coup, obtenu voile rapide, la voile utilisée par le lion rouge abrite en elle le pouvoir du vent. Et se déploie en un instant. L'attaque spéciale fait souffler un vent sacré qui augmente temporairement la vitesse des attaques. Et du coup, la voile rapide a 3 slots vides et 150 d'attaque. Pour le marteau magique, il y a également l'emplacement plus 88 d'attaque. Rivière scintillante, c'est 210 d'attaque. C'est beaucoup, je crois que d'ailleurs, c'est le world record qu'elle a, elle en tout cas. des éléments lumière, 2 slots vides. Le Dragon Mojo, 88 de dégâts, élément eau. Voile de bateau, 82 dégâts, rubis plus, le chat. Okay. Je vais essayer de faire attention parce que j'ai pas envie qu'il appuie sur leur Warlay. Sabre et le fameux sabre royal, 152 dégâts, élément eau, rubis plus et un slot vide. Nous avons... Oh oui. Alors là, vous voyez, ça c'est la luck. Parce que dites-vous qu'on aurait pu obtenir, oui, un matériau argenté pour lui. Mais non, on a obtenu un matériau ultra rare. Ultra rare, à la place d'un matériau rare. Et dites-vous que... Ben, c'est déjà bien. Donc du coup, on a obtenu une épée des fantômes de Ganon, 2 casques de gros blin armés, 19 cornes de monstres, 5 épaulettes de gros blin armés, un acide de Goma et 7 colliers d'âme. Et ainsi, l'illustration. Et évidemment, l'illustration, c'est le fameux Ganon spectral, en tout cas, une partie. Et voilà, médaille obtenue, le héros en vert. Mode légende terminé. Vous pouvez maintenant régler le niveau de difficulté sur héroïque. Les combats seront plus durs, mais il vous sera plus facile d'obtenir des objets rares. Matériaux et tout ça, hein, je parle. Matériaux et les armes, bien sûr. Vous pouvez maintenant faire apparaître une deuxième Scutula d'or dans chaque scénario. Essayez de vaincre toutes les Scutulas et d'obtenir tous les morceaux d'illustration. Et voilà. Ah, bon, bah du coup, on va rappeler parce qu'on va du coup...
personnaliser nos personnages. Et du coup, voilà, une deuxième Scutulador peut maintenant apparaître dans chaque scénario. Cette deuxième Scutulador n'apparaîtra que si la difficulté est réglée sur difficile ou héroïque. De plus, il arrive qu'elle n'apparaisse que si vous jouez avec un certain personnage, éliminez tous les Scutulador pour recomposer toutes les illustrations. Donc du coup, voilà, dans chaque bataille, il y a les fameuses Scutulador. Donc là, ici, il faut sélectionner Tetra. Ici, il faut avoir joué avec... Enfin, en tout cas, il faut avoir une arme un petit peu plus spéciale. Donc, jouer avec Link et avoir une arme un petit peu plus spéciale. Pareil pour... là, il faut avoir Lana, Dragon Mojo, Baguette de Feu, jouer d'Arunia. Vraiment, du coup... Il y a des Scutulador de partout. Et vous avez vu que du coup, le mode héroïque s'est ajouté. Donc je vous laisse un petit mettre pause pour une prochaine fois, le futur. Parce qu'on fera pas ça la prochaine fois. Hein, la prochaine fois, on fera le mode aventure. Donc je vous montre. Et voilà, donc du coup, écoutez. On va du coup maintenant... oui. Alors, regardez bien. Oui, vous avez vu qu'il y a... différents personnages non débloquables, et donc du coup c'est le reste des personnages à débloquer. Donc vous avez vu qu'il nous a... on va les compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Il nous reste à présent 10 personnages à débloquer, et du coup écoutez, je vais un petit peu aller dans la badgerie un petit peu pour équiper du coup grâce aux fameux, en tout cas aux fameux matériaux, ce qu'on peut. Ou en tout cas, appliquer les badges là où on peut. Pour le moment, je n'en vois pas, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, avec le roi d'Hyrule, Gangrosse 2-1 permet d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent. Sans requin 3, épaulette de Groblin armée sur 5 et 2000 rubis. Gangrosse 2-1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Gangrosse 2-1 a été créé. Et les bottes désert 1 augmentent un peu le temps de libération des pouvoirs magiques. Sans requin 2, épaulettes de Groblin armée sur 2 et 500 rubis. Bot désir 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge bot désir 1 a été créé. Donc ici, il n'y a plus rien. Ici, est-ce qu'il y a d'autres choses? Sachant qu'on a obtenu du coup la fameuse arme du Ganon Spectral. Donc c'est limite, c'est très bien. Et du coup, même Midna, du coup, a accès à la deuxième catégorie de ses badges à elle, en tout cas. Les catégories rares, hein, en tout cas. Et du coup, on va déjà commencer par la larve de Gep 2. On va le faire dans l'ordre. Et surtout que c'est bien, parce que du coup ça augmente l'efficacité des objets de régénération, donc qu'est-ce que vous voulez. On va le faire, donc l'arbre de Gep 2 augmente l'efficacité des objets de régénération, ça requiert une botte de Link sur 2, une acide de Goma sur 1, et 3 cuirs de Salamandile sur 67, également 1000 rubis. L'arbre de Gep 2 va être créé, voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge l'arbre de Gep 2 a été créé. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je regarde. Oui, il y a d'autres choses. Alors, du coup, il y a bouclier sacré 1, réduit un peu les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace. Or, il y a un collier d'âme sur 7 et 1000 rubis. Bouclier sacré 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge bouclier sacré 1 a été créé. Bouclier miroir 1, réduit un peu les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace. Or, il y a un collier d'âme sur 6 et 1000 rubis. Bouclier miroir 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge bouclier miroir 1 a été créé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok, il n'y a plus rien. Donc du coup, ici. Ah ah, ici, il y a des choses par contre. Alors, fouet 1 augmente un peu le temps de surpuissance du grappin. Ça regagne 2 colliers d'âme sur 5 et 1000 rubis. Fouet 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge fouet 1 a été créé. Filet à papillon 1 augmente un peu le temps de surpuissance du marteau. Ça regagne 2 colliers d'âme sur 3 et 1000 rubis. Filet à papillon 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge filet à papillon 1 a été créé. Donc du coup, je vais vérifier si est-ce qu'il reste d'autres badges à appliquer. On regarde. En même temps que vous. Et nous n'avons plus rien. Et du coup, dans le ferrailleur, on peut du coup voir un petit peu les armes que nous avons obtenues. Sachant que du coup, on a obtenu pas mal de nouveaux armes, tout simplement. Alors, pas d'épée d'affilée, pas de lyre, pas de... Ah, on avait obtenu, je crois, un Dragon Mojo. Voilà, élément haut, celui-là on peut l'enlever, matériau rare plus on garde. On avait obtenu une rapière, 210 je crois, voilà, c'était le plus puissant. Alors, c'était le plus puissant, donc on va limite, on peut même le dégager lui. Et garder le reste, expérience plus et j'ose bien, épée du mal, non, marteau je crois, on avait obtenu un marteau. 88 de dégâts, un placement de plus, voilà. Ensuite, pas d'écaille, pas d'ombrelle,
pas de anneaux, pas de sabre supérieur, pas d'épée divine, pas d'épée démoniaque, je crois. Ouais. Pas de spectre, pas de os massif de dragon, pas de bail, pas de arbalète. Si, je crois qu'on avait obtenu un sabre. Ouais. Alors, par contre, du coup, sabre de pirate. On peut limite l'éliminer. Enfin, l'enlever en tout cas. Et Ruby plus on garde. Ça, on garde quand même, on sait jamais. Et du coup, le roi Daphné. On a débloqué des voiles. 82 dégâts. Ruby plus. Donc, du coup, logiquement, on va mettre ça là. Ça, on garde ça là. Elle est un petit peu plus puissante que la dernière. Et du coup, bah, écoutez. Nous voici. Alors, vous avez vu également qu'au niveau des armes manquantes, vous avez vu qu'après l'épée de légende, on aura 4 nouvelles armes avec Link. Dans Impa, il y aura une nouvelle arme. Il y aura une nouvelle arme avec Lana. Deux nouvelles armes avec Zelda. Une nouvelle arme avec Ganondorf. Hop, ça me permet en même temps de regarder. Ok. Et on aura également une nouvelle arme avec Linkle. Donc bien plus tard, hein, bien sûr. C'est vraiment un truc qui apparaîtra bien plus tard dans l'aventure. Ben, les amis, du coup, merci de m'avoir suivi. Alors oui, comme je vous ai dit, vraiment, merci de m'avoir suivi pour ces 88 vidéos. Je vais au cas où, pour les gens qui me suivent, évidemment, on continue l'aventure. L'aventure n'est pas terminée. La prochaine fois, on s'attaque au mode aventure. Donc, je vais vous montrer du coup à quoi ressemblent ces fameuses cartes. En tout cas, je vais vous en montrer qu'une. On se spoilera le reste la prochaine fois, vu que ça sera la prochaine épisode où on verra du coup ce que c'est. On lira également les descriptifs la prochaine fois. Non, du coup, voilà. Donc, la prochaine fois, c'est ici qu'on se rendra, dans lequel ben, c'est là où notre aventure commence, pas réellement, mais dites-vous, c'est là où ça va prendre vraiment énormément de temps, estimé au moins à plus de 180 à 200 vidéos, honnêtement, sur cette carte, je préfère vous le dire, je préfère vous avertir, ça va prendre énormément de temps, c'est fait pour, c'est prévu, donc du coup, la prochaine fois, on commence cette carte aventure, et du coup, ça permettra de découvrir, et je vous expliquerai ce que c'est, le fonctionnement de carte aventure, et comment ça se et comment avoir les différents rangs. Qu'est-ce que c'est pour qu'il y ait un DC et un B qui va à droite? Pourquoi tout ça? Voilà, je vous expliquerai tout ça la fois prochaine. Du coup, la fois prochaine, on fera qu'une seule case. Et d'ailleurs, on fera une seule case par épisode. Ou je dis bien 8 par épisode. Parce que pour l'unique et bonne raison, 1, pour la miniature, c'est bien. 2, pour le titre de la vidéo, c'est bien. Et 3, pour l'organisation de chacun, c'est bien. Dans le sens où... Ça fonctionnera par des A et sur des échelles de A et 1. A, B, C, D, E, F, G, machin chose. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et en gros, par exemple, la case B1. B1, imaginez que B1, si B1 est là. Par exemple, A, B. Et B1 sera là. Imaginez si je fais la case B1. Ça sera en fait ici. Voilà. Donc en fait, pour faire simple, je vais screen la carte aventure en entière. Avant de la faire. Hein, logique. Avant de la faire, et je vous mettrai juste du coup la carte aventure. Je vous collerai peut-être sur la miniature le contour du carré, et comme ça au moins vous pouvez savoir c'est laquelle partie de la carte qu'on fera. Aussi, je tiens à préciser, pour vérifier, pour que vous voyez mieux la carte aventure, la miniature va changer. Alors, il y aura toujours le nombre. Mais je ferai en sorte de faire ça en deux étapes. De mettre la carte aventure, je pense que vous l'avez vu dans la miniature. La carte aventure, sous un format encadrement, comme je fais en ce moment pour les stats, par exemple, les stats qui me permettent simplement de vérifier le nombre de collectibles qu'on a récemment récupéré dans le jeu. Et donc, on fera ça sera à peu près comme ça. Et je mettrai juste le petit nombre d'épisodes, forcément en bas à droite. Donc, normalement, ça va changer. Au cas où, la miniature reviendra sous un format initial pendant le mode scénario. Je préfère vous avertir. Donc pendant le mode scénario, la miniature retournera comme elle était avant. Voilà. Comme ça au moins vous êtes pour le mode scénario, vous êtes averti. Le mode défi, on s'en chargera quand on y sera. Pour le moment, on n'y est pas. Et du coup, voilà, c'est pour vous avertir que du coup, la prochaine fois, c'est ce qu'on va devoir faire. Et il est très important d'être vigilant dans les prochains épisodes. Parce que, évidemment, ça s'annonce du lourd. C'est une carte aventure. On commence réellement
les choses sérieuses. Et je vous dis, ben, merci de m'avoir regardé. Chaque couleur apparaît, enfin, c'est une catégorie de cartes spéciales. Enfin, en tout cas, d'une chose bien spéciale. Et mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure la prochaine fois. Au cas où, la prochaine fois, il est même peut-être fort probable, comme ça, que ça fait bien, ça fait cool. Il est possible que la prochaine fois, j'explique le fonctionnement des cartes aventure, mais que je n'en fais pas, en fait, finalement. Je pense que oui, dans le prochain épisode, je vous expliquerai ce que c'est, comment ça se passe. Ça va durer un petit peu plus longtemps, et c'est pour ça que je vais pas limite me lancer. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli de commencer la carte aventure par le numéro 90 que 89. Voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup joli. Donc le prochain épisode, c'est l'explication du format carte aventure. Et vous aurez dans l'épisode 90 la toute première case, là où on commencera la carte aventure la prochaine fois. Voilà. Donc il est très important de suivre vraiment l'épisode 89 si vous connaissez pas ce fonctionnement, parce que l'épisode 89 va être fourni en détail et il est fort important, très important, très très important, que si vous connaissez pas trop ce petit univers de cartes aventure, de regarder l'épisode 89 ou en tout cas de l'écouter en fond. Vous êtes peut-être limite pas obligé de l'avoir, mais juste de l'écouter en fond pour tout simplement comprendre ce que c'est et comment ça se passe. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous en remercie du coup de m'avoir suivi pour ces 88 vidéos passées sur le mode scénario. Je remercie les gens qui du coup s'arrêtent, enfin évidemment qui s'arrêtent là et qui en tout cas voulaient juste me voir dans le mode scénario. J'espère en tout cas que ces 88 vidéos vraiment vous aura plu, ça vous aurait été passionnant. On a fait le 100% entre guillemets de ce qu'on avait pu faire de l'époque. Il manque juste la deuxième sculpture à avoir, qui est en mode difficulté, mais je pense que les gens verront sûrement plus tard le let's play juste pour les sculptures d'or et les fameux rangs de niveau. Mais pour les gens qui par contre restent avec moi, je vous en remercie également. Et du coup, la prochaine fois, comme je vous ai dit, l'explication de la carte aventure pour comprendre le système et du coup faire les cartes aventure dans le bon, en tout cas dans le bon déroulé des choses. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 89. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.